Bonjour, très heureux de vous retrouver sur l'Espace pour demain. L'Espace est aujourd'hui le salon de l'élevage de référence et c'est pour cette raison que les organisateurs ont décidé de mettre à profit cet événement pour créer le temps du débat sur les enjeux du bien-être animal dans les filières. Aujourd'hui, la filière, on va en parler dans quelques instants, après la filière avicole et celle du lait, nous nous intéressons aujourd'hui à la filière porcine avec cette question que nous mettons sur la table du temps du débat. En production porcine, le bien-être animal est-il un outil de segmentation du marché? Alors, ils ont accepté de répondre à cette question et bien sûr, ils ont accepté notre invitation et ils participent au débat. Yannick Ramonet, délégué scientifique des chambres d'agriculture de Bretagne. Bonjour Yannick. Bonjour. Thierry Marchal, bonjour. Vous êtes éleveur, président du groupe de travail Porc des chambres d'agriculture et membre de la Fédération nationale porcine. Bonjour. Bonjour. Michael Benoît, éleveur, administrateur Coperle, référent bien-être Coperle, éleveur également près de Lamballe. Bonjour. Bonjour. Également à nos côtés, Ghislain Zuccolo, directeur général de Wellfarm Protection des Animaux, donc association de protection des animaux. Bonjour Ghislain. Bonjour. Également à mes côtés, Séverine Fontaine, directrice qualité de Carrefour, filière animale. Bonjour Séverine. Bonjour à tous. Et nous avons également à nos côtés Stéphane Jamet avec nous, directeur BU Port Le Gouessant. Bonjour Stéphane. Bonjour. Voilà, en introduction, je vous propose de revenir sur la définition du bien-être animal et de voir que ce sujet est une préoccupation constante des éleveurs, toutes filières confondues, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu t'en rappelles ? C'était il y a 20 ans, Yannick. On regarde quelques images, à tout de suite. Aujourd'hui, comme hier, pour le monde de l'élevage, le sujet du bien-être des animaux d'élevage est une réelle préoccupation. Les acteurs de l'élevage, présents passe, avancent ensemble sur cette thématique si importante en diversifiant et adaptant les systèmes de production pour développer des conditions favorables aux relations entre l'éleveur et ses animaux. Les organisateurs du SPACE, très à l'écoute des éleveurs, se sont emparés de ce sujet dès le début des années 2000 en reprenant ce thème à de nombreuses reprises sur la plateforme Recherche et Développement en 2001 et 2002. Mais quand nous évoquons le bien-être des animaux, les perceptions se bousculent. Les anthropomorphistes se mettent à la place des animaux, d'autres ne conçoivent l'élevage qu'en liberté totale, faisant fi des aléas climatiques et des prédateurs, et les cartésiens, quant à eux, pensent qu'il suffit de maîtriser les paramètres d'ambiance et de satisfaire aux besoins élémentaires d'abreuvement et d'alimentation pour répondre au bien-être des animaux. Il était donc important de s'accorder sur une définition du bien-être des animaux. En 2018, l'ANSES a proposé une définition du bien-être animal comme étant un état mental positif individuel lié à la satisfaction de besoins physiologiques et comportementaux. Plus tôt, en 1979, le Farm Welfare Animal Council a quant à lui défini les 5 libertés de l'animal. Est-ce satisfaisant? Peut-être pas, car qu'en est-il du bien-être des éleveurs dans ce contexte d'injonctions parfois contradictoires? En 2019, le Conseil économique et social a reprécisé un point très important. Il ne saurait y avoir de bien-être des animaux de production sans des conditions de vie et de travail satisfaisantes pour les êtres humains en charge de leur élevage, transport et abattage. C'est dans cet esprit de bien-être partagé par l'éleveur et ses animaux que l'Espace et les chambres d'agriculture de Bretagne ont construit l'Espace pour demain 2021 sur ces 3 jours. Voilà ce qui est posé et ce qui est dit. Yannick Ramonet, vous êtes donc des chambres d'agriculture de Bretagne. Je le disais il y a quelques instants, il s'en souvient parce qu'en 2001, c'était donc, on commémore, c'est vrai, les attaques des Twin Towers, mais
il y a 20 ans, on était ici en 2001, à ce moment-là, et c'était un moment important parce que, donc, il y a eu cet événement, bien sûr, planétaire, mais il y avait ici, sur l'espace pour demain, un thème qu'on abordait, c'était le thème du bien-être animal. Donc, ce n'est pas un sujet uniquement de société, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est aussi un sujet qui a été déjà abordé il y a 20 ans. Tu t'en rappelles, Yannick, c'était ici, donc, avec déjà la présentation des nouvelles normes réglementaires. Oui, donc en 2001, donc on présentait sur la plateforme, en effet, l'élevage des truies gestantes en groupe. Et ça, c'était avant même la publication de l'arrêté au Journal officiel en France. Donc on en était vraiment au tout premier balbutiement où on parlait de logement des truies gestantes en groupe. Alors pour les plus jeunes, ça fait de l'histoire ancienne, mais il faut voir tout le bouleversement que ça a créé après dans les élevages. Et je me rappelle, donc en 2001, on avait quand même pas mal de réticences de la part de beaucoup d'éleveurs par rapport à ce logement des truies gestantes en groupe. Donc il y a eu toute une période technique, scientifique, mais aussi beaucoup de R&D, d'accompagnement de la R&D, à la fois des chambres d'agriculture et de tous les services techniques dans les groupements de producteurs, pour amener les éleveurs à loger les truies gestantes en groupe. Je n'oublie pas non plus qu'il a fallu une quinzaine d'années pour le faire. Ça a été long, ça a été des investissements aussi massifs dans les élevages, et les éleveurs qui sont ici pourront en témoigner. Mais donc voilà, donc c'était en 2001. Et là, vous continuez à visiter des exploitations. Comment, quand on parle d'éleveurs, avec les éleveurs, de bien-être animal, quelles sont leurs réactions? Ils sont plutôt encore aujourd'hui dans l'inquiétude, dans l'agacement, dans le volontarisme, un peu de fatalisme. Comment c'est vécu? Il y a un petit peu de tout autour des questions là que tu abordes, ce qui est peut-être un peu différent par rapport à la perspective de 2001 ou de 2003 là, par rapport aux truies gestantes en groupe, c'est qu'on avait un socle réglementaire qui était assez bien connu et qui a permis finalement d'accompagner les éleveurs. On avait un calendrier. Aujourd'hui, ce qui crée un peu la difficulté, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens, que le socle réglementaire est un peu moins important. Et quand on parle des truies libres en maternité, par exemple, il y a un exemple derrière nous. Aujourd'hui, les éleveurs partent sans socle réglementaire. On ne sait pas vers où on va. Le thème de la table ronde, c'est aussi parler de segmentation. Alors quand on parle de segmentation, ça veut dire qu'on va différencier un certain nombre de choses. Et là, on sort un peu de tout ce socle réglementaire sur lequel on pouvait s'appuyer. On avait des normes techniques, bon, après, qui ont été à préciser, mais on savait au moins vers où on allait, et avec un calendrier. Aujourd'hui, ce qui peut créer un peu l'agacement, c'est qu'on part sans vraiment savoir vers où aller. Ce qui a changé aussi, je pense que c'est un peu l'état d'esprit d'un certain nombre d'éleveurs qui regardent assez positivement, pour beaucoup d'entre eux, quand même, la question du bien-être animal. Bon, il y a aussi des difficultés chez certains d'entre eux, mais globalement, il y a un peu tous les états d'esprit également auprès des éleveurs. Alors, s'il y a peut-être à la fois de l'inquiétude et en même temps un peu de circonspection de la part des éleveurs, est-ce que du côté des consommateurs, je vais tout de suite m'adresser à Justin Zuccolo, qui est donc directeur général de Wildfarm, protection des animaux de ferme, association donc de protection des animaux, est-ce que c'est plus clair dans la tête des consommateurs que vous connaissez et que vous représentez? Je pense que les consommateurs sont de plus en plus sensibles au bien-être animal, ça n'a échappé à tout le monde. On voit que nous, notre ONG, elle prend un effort constant et continu. On gagne chaque année des donateurs. Et puis aussi, je pense que ça pourrait être confirmé par Carrefour, les donateurs font remonter des attentes par rapport au bien-être animal auprès des services consommateurs. Donc c'est vraiment un sujet qui est d'actualité, notamment chez les plus jeunes, pas que chez les consommateurs, même chez les jeunes éleveurs, enfin, les professionnels pourront me le confirmer. Donc c'est vraiment important de prendre en compte ce sujet pour des raisons, pour répondre à l'attente sociétale, c'est une chose, mais aussi pour des raisons éthiques, parce qu'il y a des choses qu'on a faites, des façons d'élever les animaux qui ne sont pas acceptables de mon point de vue. Hein, je ne suis pas là pour blesser qui que ce soit ou être maladroit, mais voilà, il faut aussi évoluer puis porter aujourd'hui un autre regard sur les méthodes d'élevage. Alors, juste quelques mots sur votre association pour qu'on comprenne bien, parce que tout le monde peut-être ne la connaît pas. Wildfarm, c'est quoi? C'est une association qui vient des États-Unis, qui s'est installée en France. Vous avez combien d'adhérents? D'où viennent vos moyens financiers? Alors, Wildfarm est une association qui a été fondée en 1994, qui compte à ce jour 27 000 membres et donateurs.
Il y a une trentaine de salariés. On est une association dont la mission est reconnue d'utilité publique. Voilà, dans les Donc vous êtes une ONG, quoi. On est une ONG et notre mission, c'est œuvrer pour améliorer les conditions d'élevage, de transport et d'abattage. Et dans nos missions, bah, on travaille pour faire évoluer la réglementation qui protège les animaux d'élevage, pour la faire bien appliquer. Et puis on travaille aussi beaucoup avec les acteurs de l'agroalimentaire, de la distribution, de l'élevage, pour accompagner toutes les initiatives qui vont dans le bon sens. Enfin, on est vraiment dans cette optique. Y compris avec les coopératives, avec les producteurs. Oui, on échange régulièrement avec les deux coopératives ici présentes et d'autres. Et c'est pour ça que je suis présent aussi au SPAS, parce qu'on est vraiment dans cette volonté d'être dans le dialogue. Et l'accompagnement. Voilà. D'accord, mais ce que vous souhaitez quand même, c'est qu'on aille au-delà des 5 libertés fondamentales qui ont été évoquées, quoi. Ben, nous, ce qu'on souhaite, c'est que, en tout cas, le mode d'élevage standard évolue pour que le niveau soit plus élevé en termes de bien-être animal. Et puis après, puisque c'est le sujet du jour, qu'il y ait une segmentation pour que les consommateurs puissent aller au-delà du minimal réglementaire ou du minimal standard pour choisir des produits qui vont toujours vers un plus pour le bien-être animal. D'accord. Alors justement, Séverine Fontaine, vous avez été justement citée il y a quelques instants par Justin Zuccolo. Donc vous êtes directrice qualité Carrefour au niveau de la partie animale, filière animale. Carrefour est impliqué dans cette notion de bien-être animal et ça se fait notamment à travers des cahiers des charges. Et quand on entend les éleveurs, ils disent « Oh là là, les cahiers des charges, ça devient de plus en plus compliqué et c'est un peu flou tout ça ». Et en plus, la réglementation, elle ne vient pas obligatoirement répondre précisément à tous ces cahiers des charges. Vous êtes là un petit peu pour aussi travailler avec le monde de l'élevage, avec les consommateurs. Quelle est un petit peu l'implication de Carrefour au niveau de ce bien-être animal ? Alors, donc, nous participons effectivement à deux groupes de travail qui se rejoignent donc sur la construction de ces cahiers des charges. Donc, on est adhérent à l'association Étiquette Bien-être Animal, EBA, et également adhérent au LIT, WestRL, parce qu'on a bien conscience que ce sujet ne peut pas être traité comme un sujet concurrentiel. Et que l'enjeu est tel de transformation, on a besoin d'être tous autour de la table. Donc ces associations regroupent différents distributeurs. Donc on a 4-5 distributeurs avec nous, les ONG qui sont présentes, des groupements d'éleveurs, l'INRA, donc des vétérinaires, pour ensemble se projeter, visualiser ensemble, on va dire, demain ou après-demain, parce que effectivement, je rejoins Yannick, on est bien sur un temps long, on en est très conscient. Néanmoins, ne pas imaginer ou écrire demain fait que on n'avance pas. Donc la nécessité première dont on porte cette responsabilité, c'est d'écrire cette étoile pour que toute nouvelle rénovation, toute nouvelle installation, justement, puisse se faire de façon la plus sereine possible. Alors, on n'est pas tous des scientifiques, tout n'est pas écrit et on a encore des sujets, je pourrais parler nature du sol, où on manque d'éléments scientifiques et on sait que ça va encore, on a besoin de recherche. Mais sur les autres sujets, on s'est assigné la tâche de se mettre d'accord sur cette trajectoire, ce qui définira un cahier des charges commun, ce qui devrait aussi faciliter les transformations, parce qu'on a trop longtemps, effectivement, m'a dit, moi, Carrefour, je veux une fenêtre de 4x3, Casino veut 2x3, enfin, déjà, on n'a pas le bon élevage. Voilà. Donc, c'est... Donc, vous allez finir par vous mettre d'accord sur la taille de la fenêtre, en gros. Voilà, on se met d'accord sur la taille de la fenêtre, ça, je pense que ça va être assez simple. Mais c'est surtout sur, effectivement, au-delà de la réglementation, on est obligé de se projeter, parce qu'on sait qu'il y a des nouvelles réglementations européennes qui sont déjà en préparation et qui sont maturés, et on a des pays, notamment du nord de l'Europe, qui poussent très fort sur ce sujet, donc on sait que ça va venir de façon consciente. Et ensuite, on reçoit également donc, les attentes sociétales et des ONG qui nous expriment des besoins sur leur consommation, d'être rassurés sur le fait que quand ils achètent un produit, ils sont, je dirais, à l'aise et que l'animal a été bien élevé. Donc, il y a des choses qui sont déjà très bien faites, mais on a besoin aussi, et c'est pour ça qu'on travaille avec le cahier des charges, un étiquetage pour avoir un outil de réassurance du consommateur. Voilà, juste baisser un tout petit peu votre micro. Voilà, très bien, merci.
Thierry Marchal, je souhaiterais juste avoir votre réaction par rapport à tout ce qui a déjà été dit, parce que on a pu entendre à la fois votre collègue Jean de la Culture poser un peu les termes du débat, et puis également déjà deux approches qui sont assez proches, hein, consommateurs et distributeurs. Comment vous, au niveau de justement de la production porcine, vous réussissez à répondre à ces attentes tout en même temps essayant de faire en sorte de répondre au mieux aux attentes aussi de l'éleveur, assez problématique, parce qu'il y a des investissements derrière. La case maternité qu'on présente aujourd'hui, ce n'est pas rien en termes d'investissement. Oui, déjà rappeler que c'est vrai qu'aujourd'hui, le bien-être animal, c'est le sujet qui a le vent en poupe, mais il a toujours été dans l'esprit des éleveurs. L'élevage n'a jamais cessé d'évoluer, et à chaque fois, les éleveurs, à chaque fois qu'ils ont reconstruit des bâtiments, qu'ils ont fait évoluer leur élevage, ça a toujours été dans leur esprit, même si c'était de manière inconsciente, mais les conditions de logement, les conditions de nutrition et les soins apportés aux animaux, c'est l'essence même de notre métier. Oui, parce que le standard aujourd'hui, ça a toujours été. Oui, ça c'est notre métier, le bien-être animal, en tenant compte, bien entendu, en même temps, des conditions de travail des salariés et des éleveurs qui évoluent dans les élevages. Aujourd'hui, au travers des chambres d'agriculture, le travail qui est fait, c'est bien entendu d'être à l'écoute, de voir un peu les nouvelles demandes, les perspectives, de pouvoir, au travers de la recherche, donc mettre en place les essais et valider les essais, avoir donc pour les éleveurs, avoir des réponses pour l'avenir, de savoir exactement lorsqu'ils investiront, savoir dans les futurs bâtiments, comment les orienter, parce qu'on doit répondre bien entendu à la demande, mais avec toujours comme priorité l'équilibre économique de nos entreprises. Si on veut être là demain pour continuer à y répondre, nos entreprises ont besoin d'avoir aussi un équilibre économique. Donc, en ce qui concerne aujourd'hui le bien-être animal, une partie du bien-être animal, ce sont les conditions de logement, et c'est très très structurant pour nos entreprises. Ce sont des engagements sur du très long terme, 10, 15, 20 ans, c'est des orientations qu'on donne. Jusqu'à présent, ces orientations-là, on les a fait au fur et à mesure du renouvellement des parcs bâtiments. On a offert le bien-être animal aux consommateurs sans aller chercher de plus-value, mais par nos gains de compétitivité. Et donc, on y a répondu par l'évolution de la réglementation. Aujourd'hui, le contexte... Est-ce que vous étiez plutôt un peu suiveur aussi par rapport à la réglementation, et qu'aujourd'hui, on vous demande de prendre un peu les devants par rapport à la réglementation, et là, ça inquiète un peu plus, parce qu'on ne sait pas finalement, au final, quelle sera cette réglementation. Lorsqu'on suivait la réglementation, elle était connue très en amont. Et ça permettait justement aux chambres d'agriculture de mettre en place des essais, d'avoir validé les bâtiments et de connaître exactement vers quel type de bâtiment se tourner pour donner la réponse à la réglementation. Aujourd'hui, le temps est beaucoup plus rapide. Donc, mais par contre, l'engagement, il est toujours sur du long terme. Donc la problématique, elle est plutôt là. Et par le passé, ça se faisait au fur et à mesure du renouvellement des bâtiments. Et maintenant, on nous demande d'accélérer et voire de modifier des bâtiments qui ne sont pas forcément arrivés en bout d'amortissement. Donc, c'est pour ça que le contexte change complètement. Et par contre, ce qui n'a pas changé, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous sommes toujours en responsabilité de nos entreprises, et l'équilibre économique est essentiel. Nous n'avons pas le droit de sortir de là. Nous sommes toujours soumis au marché, soumis à la concurrence, qui en production porcine est extrêmement violente. Il y a très peu de productions qui ont connu des crises d'une violence comme on a connu en production porcine, et comme peut-être on a devant nous dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, on est de retour dans un contexte extrêmement défavorable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça demande de l'engagement, de l'investissement, et pour le faire, il faut avoir des perspectives sur du long terme. Et d'ailleurs, on a pu entendre le ministre de l'Agriculture ici, Julien de Normandie, qui venait donc en visite mardi. Il a bien tenu compte de ce que vous disiez. A priori, il a dû vous écouter, puisqu'on a bien eu cette réflexion de dire il faut penser résultat, en tout cas d'exploitation. Hein, le compte d'exploitation, c'est important. Et pour cela, ensuite, on voit comment on met en place le bien-être. Mais il faut tenir compte du résultat d'exploitation, quoi.
Oui, n'importe comment, les agriculteurs sont là pour répondre à la demande. Ils doivent faire des produits qui correspondent au marché. Ils ont toujours été là pour répondre en volume et en qualité à la demande des consommateurs. Ils seront là demain pour y répondre. Mais par contre, avec des contraintes qui sont les nôtres et auxquelles on doit en tenir compte aussi. Parce qu'on sait aussi qu'il y a eu des éleveurs qui se sont trouvés dans des impasses parce qu'ils ont investi dans des bâtiments qui n'avaient pas été bien évalués, où on n'avait pas vraiment les résultats ou suffisamment d'expérience sur les investissements qu'ils ont faits. Et là, aujourd'hui, ces éleveurs-là ne sont plus là pour répondre à la demande. Alors, à vos côtés, certaines personnes n'ont pas attendu et ont été même un peu en pointe sur certains domaines au niveau de la production porcine. Michael Benoît, vous êtes donc éleveur et administrateur Coperle, référent bien-être Coperle. Aujourd'hui, le bien-être animal chez Coperle, ça veut dire quoi en production porcine? C'est-à-dire, déjà, premièrement, les attentes sociétales, évidemment, elles sont multiples. On le voit bien aujourd'hui. Il y a le bien-être animal, l'environnement, il y a également la santé, le sanitaire. Et on voit qu'il y a quand même un prisme un petit peu plus important sur la partie bien-être animal. Il y a une sensibilité accrue quand même de la société civile sur ce sujet. Par contre, pour moi, le bien-être animal, c'est pas une révolution, c'est une évolution, en fait. Donc, comme ce qui a été expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu des évolutions qui ont été faites depuis plusieurs années en fonction des connaissances techniques, scientifiques et la capacité des éleveurs aussi à investir, parce que ça reste malgré tout l'économique, le nerf de la guerre. Comment dirais-je, c'est vrai qu'il y a plusieurs années, donc au niveau de Coperle, il y a une démarche quand même innovante qui a été l'arrêt de la castration. Donc on n'a pas attendu la réglementation pour le faire. Par contre, ça ne se fait pas du jour au lendemain, puisque de mémoire, comment dirais-je, on a officialisé en fait cette innovation en 2013 au SPAS, ici. Par contre, ça a nécessité au préalable 2 ans d'investissement de 2 millions d'euros, une quarantaine d'éleveurs qui ont été sollicités pour faire ces tests. Donc, à partir du moment où on bouge les lignes dans une exploitation, ça nécessite vraiment de la R&D. Et la R&D, elle est vraiment primordiale. Mais là, on parle de la R&D de l'exploitation, mais également tout le secteur de l'aval qui est concerné, puisque à partir du moment où il y a une segmentation, ça nécessite une traçabilité, une réorganisation. Et évidemment, il faut être en veille permanente pour évoluer. Nous, notre métier d'éleveur, comme le disait Thierry à l'instant, c'est de répondre aux attentes des consommateurs. Nous, éleveurs, je préfère l'anthropomorphisme, je vais faire de l'automorphisme. Un constructeur de véhicules, s'il décide de construire des véhicules tous bleus, alors qu'il y a 30% du consommateur qui en veut des roses et 20% des noirs, il va se planter. Non, il faut savoir vers où aller, il faut avoir de la perspective également, parce que autant le sujet de la castration, ça a été un gain bénéfique pour l'éleveur sans restructuration, enfin, sans investissement structurel au niveau de l'exploitation. Par contre, tout ce qui concerne les investissements structurels qu'on a évoqué tout à l'heure, par exemple la mise en liberté des... Enfin, le sujet contention, parce qu'on parle contention, de la truie libre en maternité, mais il y a également la partie verraterie, il y a la partie notion du sol, etc. La densité, là on est sur des investissements structurels qui sont quand même très longs, assez lourds à porter. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur, parce que quand il faut apporter des modifications après, techniquement, c'est compliqué. Et d'autant plus que, bon, comme l'a dit Thierry, les conjonctures ne sont pas toujours favorables, évidemment. Donc, autant avant, on pouvait imaginer amortir des bâtiments sur 15 ans. Aujourd'hui, c'est relativement court. Donc, on est plutôt sur du 20, voire parfois du 25 ans. Donc, il ne faut vraiment pas se planter. Donc, c'est pour ça qu'il faut être en veille. Évidemment, la réglementation évolue, mais on est là pour répondre aux attentes des consommateurs. Juste pour réagir, 20-25 ans, on peut attendre que tout le monde se mette au clair. 20-25 ans, est-ce que les consommateurs vont être encore présents dans 25 ans? Ouais. Ouais. 20-25 ans pour une ONG de protection animale, c'est évidemment trop long. Par contre, c'est tout à fait légitime que ça les s'entend, éleveurs, ça s'entend. Voilà, c'est tout à fait légitime que les éleveurs souhaitent que leur bâtiment soit amorti avant d'investir dans des nouveaux bâtiments. Ça, on peut le comprendre. Donc, si certains bâtiments doivent être rénovés et qui n'ont pas été amortis, ça doit être les aides publiques qui apportent une aide aux éleveurs, des fonds de la PAC, des fonds comme actuellement le plan de relance, etc. C'est pour ça que ça doit passer. Ça ne peut pas passer par le prix. Si, quand même. Tout ne pourra pas passer. En fait, on est aussi, nous, conscients qu'un le consommateur face au rayon, il a un comportement qui est parfois très différent que dans les études consommateurs. Donc, bien sûr, il veut du bien-être animal. Nous, quand on l'écoute, il dit, de toute façon, moi, nous, on a notre filière. Bien sûr, c'est garanti. Carrefour, vous engagez. Et quand on lui demande combien il est prêt à payer plus cher, il est prêt à payer plus cher, mais un
petit peu. Donc il faut qu'on joue avec toutes ces... Enfin, qu'on joue, hein, c'est pas... Qu'on travaille ensemble sur ces perspectives avec tous ces intrants. On ne pourra pas, de toute façon, passer du simple au double le prix au produit. On risque juste de faire sortir le consommateur de la viande et c'est pas ce qu'on veut. Enfin, je pense que si on est tous là, c'est dire on veut garder des consommateurs, mais qu'ils soient conscients qu'ils aient une consommation responsable et garder des flexitariens, enfin des consommateurs de viande. Mais on ne peut pas non plus leur demander de payer du jour au lendemain le double. Donc c'est un chemin, une pente, c'est à nous de bien définir la pente, voilà. Oui. Et donc 20-25 ans pour l'ensemble de l'élevage, moi ça me paraît pas trop loin, mais en attendant il se passe des choses. On a fait du bio, enfin le bio se développe, on a du porc plein air qui se développe, on a des labels et on a des investissements qui sont déjà faits. Donc c'est à nous aussi de valoriser, de proposer, en expliquant bien aux consommateurs ces nouveaux modes d'élevage avec ce niveau de bien-être animal qui est plus élevé et de tester aussi. Enfin, lui, il va falloir qu'il joue aussi, enfin, qu'il achète, mais avec un support très clair d'information. Et ensuite, bah, petit à petit, ça va s'ajuster. Parce que juste une question de pur consommateur, est-ce que le fait de marquer sur, je ne sais pas si c'est écrit comme tel, hein, porc sans castration, ça se vend mieux ? Ça, c'est pas chez moi. Non, je vous pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui se vend plus facilement? Il y a une étiquette, hein, c'est ça qui apparaît? Ben en fait, c'est-à-dire qu'à la base, donc, comme je vous ai tout à l'heure, il y a eu l'aspect R&D sur l'art de la castration. Mmh. Ensuite, on a proposé ça à l'ensemble de nos adhérents. Et en 2014, au travers d'une marque du groupe, on a développé donc, une filière, une segmentation de porcs non castrés, mal entiers, mais également associé aussi avec la démarche de sans antibiotiques. Sans antibiotiques aussi. Voilà, exactement. Voilà. Parce que, juste pour quand même vous faire la petite anecdote, c'est que le sans antibiotiques, il n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que le fait d'avoir cessé de castrer, on a pu constater qu'on avait des animaux un petit peu plus rustiques et voilà, diminution d'utilisation de médicaments, etc. Et donc les choses se sont faites. C'était une continuité finalement de l'arrêt de la castration. Alors, juste avant de vous faire réagir, Thierry, je voudrais juste donner la parole quand même également à Stéphane Jamet, qui est le directeur BU Port Le Gouessant. Vous avez également travaillé sur la partie bien-être animal. Juste pour l'anecdote, hier, il y avait une remise de prix avec un concours photo organisé par les chambres d'agriculture sur le thème du bien-être. Et un des éleveurs qui a été sélectionné parmi les photos, c'est un éleveur que vous connaissez, qui est au sein du Gouessant. Il s'appelle Adrien, c'est ça, hein, et Adrien, il a pris une photo toute simple hein, de la queue d'un cochon, parce que lui, voilà, son fer de lance, c'est encore expérimental. Il nous a dit qu'il faisait ça de manière expérimentale avec le Gouessant, c'est notamment de travailler sur l'arrêt de la coupe de la queue. Hein. C'est ça, par exemple. Je pense tout simplement qu'on est, comme tout le monde, à travailler sur le bien-être animal. Il y a le socle commun... des cinq libertés, là. Voilà, des cinq libertés. Je pense qu'il y a aussi le socle réglementaire, quand même, qui est travaillé tous les jours, ce que disait Thierry, ce que disait Mickaël, c'est-à-dire que les éleveurs travaillent tous les jours autour du bien-être animal et cherchent à améliorer les choses. Ce socle-là, il n'est pas discutable. Mmh. Il est commun à tous et en aucun cas, pour le sujet qui nous intéresse, il ne doit pas être segmentant. Ensuite, oui, mais est-ce qu'on peut élever ce socle? Alors, le socle, forcément, il évoluera, mais il évoluera comme il le disait, dans le temps, parce que c'est structurel. Ensuite, aujourd'hui, nous, en tout cas, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde comment est-ce qu'on peut apporter une différenciation, comment est-ce qu'on peut créer un concept, finalement, porteur de valeur ajoutée sur le bien-être animal. Mais on est d'accord, c'est quelque chose qui se différencie, qui va au-delà et qui se construit petit à petit et que l'on va devoir développer parce qu'on pense que ce que disait ou M. Zuccolo ou Mme Fontaine, c'est que le consommateur, il va falloir aussi le garder et que si on n'évolue pas, si on ne va pas prendre le consommateur qui, lui, est porté sur le bien-être animal avec quelque chose qui lui parle. Il suffit de prendre l'attente sociétale qui sort principalement issue des, notamment de l'étude ACCEPT. Eh bien, finalement, c'est des consommateurs qu'on risque de perdre. Donc, allons les chercher, structurons ces modèles-là qui représenteront une part de marché
mais ce ne sera pas forcément un global. Vous évoquiez même le fait qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'il y ait une visitabilité des exploitations. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien que pour aussi donner envie aux consommateurs de se réconcilier sur le modèle de l'élevage, sur tout simplement le fait que le modèle d'élever des animaux de rente, ce n'est pas sale, hein, si on peut dire ça, et que ça se construit, que les modèles évoluent, que par contre ça se fait aussi dans le temps, parce que c'est expliqué, c'est-à-dire ce que vous voyez là, ça peut vous plaire, sachez que ça se fait dans le temps, que ça se construit, que c'est évolutif, que ce sont vraiment des investissements lourds, des investissements structurels, et que ça s'accompagne aussi, finalement, vous, consommateur, d'investissement de votre part, en faisant l'acte d'achat. Oui, mais qui paye au final? Il faut investir pour demain, mais qui paye au final? Est-ce que ça va être, encore une fois, les pouvoirs publics, et donc à un moment donné, nous consommateurs, à travers nos impôts? Est-ce que ça va être également, je sais pas moi, au niveau de la grande distribution, on va faire monter les prix pour mieux rémunérer les producteurs? Est-ce que ce sont les coopératives qui vont investir? Mais j'imagine, elles ne sont pas philanthropes, les coopératives, hein, qu'elles soient Coperl ou l'OGSN, je crois pas que c'est le modèle, même si vous êtes coopératif. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est ces investissements, au bout du compte, qui va payer? Parce qu'il y a un monsieur là qui est en attente. Alors, vous voulez nous fâcher? Je pense que ce sera... Non, je ne vais pas vous fâcher, je veux savoir. Ce sera un ensemble de tout. En fait, comme je vous l'ai dit, le consommateur ne pourra pas tout porter. Mmh. Il y a des investissements qui sont au fur et à mesure qui sont prévus. Et j'espère, effectivement, et c'est la tendance, que l'État, l'Europe, la France prendra sa part, puisque dans la nouvelle PAC, c'est quand même prévu qu'il y ait des aides au niveau du bien-être animal, et parce que c'est une attente sociétale. Donc, il faut qu'on arrive à équilibrer ça de la meilleure façon. Thierry Marchal, et ensuite, je donne la parole à Michael Benoît de la Coberl. Oui, pour ce qui concerne l'évolution des élevages, bien entendu, les pouvoirs publics doivent accompagner financièrement. Donc je pense qu'un des projets, même hier, l'AOP Grand Ouest Port a été signé là-dedans. Il y a l'accès au programme opérationnel, ça doit aussi accompagner les évolutions. Mais par contre, il faut qu'il y ait un consentement à payer pour le produit derrière. Parce qu'il peut y avoir un accompagnement au moment de l'investissement, mais derrière, nous, producteurs, il faut que nos coûts de production soient en corrélation avec le consentement à payer. On ne peut pas baser une filière sur des aides publiques. On voit bien que ce qui est basé sur... Il y a de moins en moins de moyens au niveau national et européen, et on ne peut pas baser des investissements à long terme sur des finances publiques. Il peut y avoir un accompagnement ponctuel, mais par contre, nous, éleveurs, nous investirons pour des consommateurs qui sont exigeants, mais qui veulent bien payer leurs exigences. Si c'est simplement des exigences avec aucun consentement à payer, on ne peut pas demander aux éleveurs d'investir sur 15 ou 20 ans avec des aides publiques qui sont très aléatoires. Donc là, on a le sentiment là, que les choses ne sont pas bloquées, mais en tout cas en attente. Non, ce n'est pas bloqué. Il y a des consommateurs, ils ont des exigences. Moi, quand je suis exigeant, je paye. Enfin, je pense que la vie est faite comme ça. On est tous plein d'exigences. Quand je veux me payer une belle voiture, je ne veux pas payer le prix d'une petite voiture. Vous aimez beaucoup les voitures, hein, monsieur. Ce n'est pas moi qui en avais parlé avant. C'était votre collègue. D'accord, vous avez tous les voitures, en tout cas. Non, mais je pense que c'est ce qui réglera les problèmes. C'est le consentement à payer. Nous, producteurs, on a besoin d'engagement des consommateurs sur le fait qu'ils soient exigeants et qu'ils mettent les moyens dans leur nourriture. Et à partir de là, il n'y a aucun problème. Par contre, on ne peut pas demander à des professionnels de s'engager financièrement sur 15-20 ans et que ça soit basé sur un financement public. Parce qu'on sait que dans le temps, ça ne tient jamais. Alors, je donne la parole à Michael Benoît, donc administrateur Coperl. Bonjour, rebonjour. Donc juste, un complément. En fait, par rapport à ce qui a été dit, il n'y a pas un consommateur, il y a des consommateurs. Mmh. La question aujourd'hui, c'est le bien-être animal est-il un outil de segmentation de marché? Et voilà. Vous dites oui. Comment? Eh ben évidemment, oui. Évidemment, tout à fait. Donc, par rapport au mode de financement, c'est vrai qu'il y a le fameux plan de relance qui a été évoqué. Il y a quand même un signal aussi au niveau du plan de relance, c'est-à-dire que c'est sur la partie bien-être animal, c'est pour les investissements qui vont au-delà du réglementaire. Donc c'est quand même un signal pour moi, je perçois aussi, vers cette segmentation pour répondre à une certaine partie des consommateurs. Après, quand on parle d'investissement structurel, au niveau de l'exploitation, il n'y a pas que ça.
quand on parle du One Welfare, on parle du bien-être de l'animal, de l'éleveur et dans son environnement. Il n'y a pas que le bâtiment lui-même, il y a également les conditions de travail de l'éleveur. Si une évolution de bâtiment nécessite plus de temps pour l'éleveur à y passer, que ce soit pour du lavage, pour de la surveillance, il y a également les performances techniques qui parfois peuvent être impactées en fonction des systèmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle plutôt, on est, à la fois, d'un côté, on a les charges structurelles pour la partie bâtiment, mais après, on a les charges opérationnelles. Et ça, celle-ci, elle perdure. Et puis donc, derrière, on a l'attractivité du métier auprès des plus jeunes. Ah bah, évidemment, tout à fait, ouais. Exactement, on n'est pas là pour dégrader les conditions de travail, loin de là, au contraire. Pour moi, les deux peuvent être compatibles, ça, c'est pas un souci. Oui. Par contre, en tant qu'éleveur, on a besoin d'avoir cette visibilité à long terme. Quand on décide de lancer une segmentation, c'est pas pour 6 mois. Et c'est pas avec un faible volume. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un accord et un contrat sur tous les acteurs de la filière, qui vont bien sûr l'élevage. Tout à l'heure, je parlais de l'aval, le consommateur, etc. C'est un engagement vraiment mutuel. Mais il faut avoir cette visibilité. Et c'est là où, juste pour en finir, c'est que d'où l'intérêt aussi d'échanger avec les différentes parties prenantes de tout ce circuit, que ce soit les clients, la grande distribution, les associations de protection animale, pour permettre de donner cette visibilité aussi à moyen à long terme, ou plutôt à long terme. Alors juste, votre collègue Dugo Essan. Alors, je ne peux que m'associer à ce que vient de dire Michael, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer même un concept nouveau, différenciant, qui prend en compte complètement à la fois l'éleveur, ses salariés, les animaux. En tout cas, on ne le créera pas seul. On ne le crée pas au niveau de la coopérative. On le crée parce que il y a sur l'ensemble de la filière, une volonté d'aller de l'avant. Et c'est parce qu'il y aura cette volonté-là qu'on pourra le faire, parce que c'est aussi un apport de chacun, mais c'est aussi un effort de chacun. Si on veut évoluer, si on veut monter en gamme, si on veut prendre en compte le bien-être animal en allant plus loin, il va falloir que chacun fasse cet effort-là. Parce que je rejoins complètement aussi ce qu'a dit Thierry, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement espérer les aides des pouvoirs publics. Ce n'est pas tenable et en plus, ce n'est pas logique. C'est-à-dire que le consommateur, s'il veut quelque chose, il va falloir aussi qu'il accepte de le payer. Aujourd'hui, je crois que c'est Madame Fontaine qui le disait, on a ce paradoxe entre le citoyen qui dit « je veux ça », mais qui au final achète autre chose et qui ne correspond pas du tout à ce qu'il demande à l'agriculture française. Donc, c'est bien un effort global de chacun des maillons qui va faire que l'on va pouvoir avancer. Et pour répondre de la même manière, oui, nous pensons que le bien-être animal, à partir du moment où on travaille au-delà du réglementaire, si on apporte une vraie valeur ajoutée, alors il est segmentant, clairement. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à travailler sur ce sujet, sur cette question. Et est-ce qu'il n'y a pas une course à l'échalote entre les uns et les autres au niveau des différents acteurs pour pouvoir proposer quelque part la nouvelle norme, la nouvelle réglementation, celle de demain, parce que vous allez proposer des espaces plus aménagés pour les truies, faire en sorte qu'il y ait une meilleure amélioration du bien-être de l'animal par rapport à ses porcelets ou autre. Est-ce que finalement, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut y aller à fond pour pouvoir peut-être faire en sorte d'appuyer sur ce qui pourra devenir la norme européenne. Alors, en tout cas, la course à l'échalote, j'y crois pas du tout. Pourquoi ? Parce que on va devoir, et ça a été très bien exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne peut pas déraper en termes de, au niveau économique. On doit rester performant économiquement. Donc, on doit pouvoir maîtriser à la fois les investissements, la partie technique, la partie main-d'œuvre. Et donc, les schémas, en fait, je pense qu'on va vite se rendre compte qu'il n'y en a pas 36 et que la course à l'échalote, elle ne fonctionnera pas. Je n'y crois pas du tout. Par contre, il y aura un modèle, certainement, qui est en train de se créer. C'est ce que nous on fait, hein. On teste, on ne dit pas que c'est notre modèle demain qui sera là. Je sais que... Oui, mais ce n'est pas exactement le même modèle. Non, mais je prends le cas de la Coperle qui est aussi sur un concept bâtiment autour du bien-être animal. Je ne sais pas lequel sera dans le vrai, mais une chose est sûre, c'est qu'on est en train de le travailler pour être efficace économiquement. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit pérenne et reproductible. Si c'est juste faire un bâtiment pour dire « Regardez, on a travaillé », pour faire un coup, ça ne sert à rien. Enfin, vraiment, il n'y a aucun intérêt. Donc,
Ce côté reproductible, il ne passera que par l'économique et le bien-être et l'intérêt de l'éleveur, l'intérêt des salariés et le bien-être des animaux. Donc, il n'y aura pas de course à l'échalote. Je n'y crois pas du tout. D'accord, très bien. Ghislain, quelle est un petit peu votre réaction par rapport à ce qui se dit, des commentaires ? Alors, quand on interroge les consommateurs, certains, enfin la plupart, sont prêts à payer 5 à 10% plus cher pour avoir un produit. 5 plus... à 10% Ouais, la masse. C'est ce qu'ils disent. La masse. Mais il y en a qui sont prêts à payer encore plus. C'est pour ça qu'il faut une segmentation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui me paraît important, c'est que le niveau standard soit évolué pour que le modèle de demain soit à un niveau acceptable, enfin, en tout cas, à nos yeux, en termes de bien-être animal. Et ça peut être l'exemple de ce que l'on voit, par exemple, dans les pays du Nord ? Bah, ça peut être, par exemple, un élevage de porc avec courette extérieure, avec de la paille, enfin, pas du caillebotier intégral, avec l'abandon des mutilations. Bon, voilà, c'est un compromis. Après, le top du top, c'est évidemment l'élevage en plein air. Bon, mais voilà, là, on est déjà peut-être un peu plus dans le haut de gamme. D'accord. Mais si on a déjà un standard avec courette extérieure, voilà, par exemple, bah déjà, on est déjà à un niveau standard qui est satisfaisant en termes de bien-être animal, je pense. Alors, je vais vous laisser apporter aussi votre point de vue et votre commentaire, Séverine Fontaine. Bah, sur ce qu'on travaille au niveau du LIT, on vise déjà un bâtiment fermé. Je vais freiner les... Pas tout de suite la courette. Rassurer les éleveurs qui sont là, enfin... et c'est ce qu'on a fait sur le poulet, c'est à la demande du Better Chicken, mais un bâtiment fermé, lumière naturelle, moins de contention, et viser la maternité-liberté, effectivement, une densité qui est plus faible. Mais accessible sur des bâtiments fermés, même si le fait qu'on bouge la densité et qu'on change à terme la nature du sol, sans doute ça veut dire investissement derrière. Mais courette, c'est encore le niveau du dessus, et ensuite le plein air. La segmentation, moi, je le dis assez librement, hein, je rejoins d'autres allégations sur le produit comme nourrissons OGM, élevés sans traitement antibiotique. Pour moi, c'est un package qui fait qu'on peut réussir la segmentation, parce que je ne suis toujours pas persuadée qu'une masse suffisante de clients sera prête à payer uniquement pour une amélioration du bien-être animal. Je pense que les antibiotiques, ça parle aux clients parce que ça parle à leur santé et ça parle sur l'effet sociétal qu'on a sur les problématiques. Et là, la filière, vraiment, les filières en France ont fait un énorme travail qu'il faut saluer, qu'il faut faire connaître aussi, puisqu'il y a eu des baisses quand même avec éco-antibio qui sont très bien. Et c'est vrai que l'allégation, elle paraît accessible et elle est reconnue positive parce que ils ont une crainte vis-à-vis de l'élevage intensif, d'une surutilisation d'antibiotiques. Donc, ça vient bien contrebalancer et rassurer sur le fait que non, on peut élever en bâtiment de façon correcte sans avoir à surutiliser d'antibiotiques. C'est que tout se passe bien. Donc, pour moi, c'est vraiment l'ensemble. Et je répète, hein, l'étiquette sera indispensable puisqu'aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Ils le disent, ils ont des idées. Donc, quand on dit ils veulent pas, je ne sais même pas, parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils achètent quand ils achètent du porc standard. Et moi, quand je les écoute en table ronde, ils disent, bien sûr, vous avez votre marque, donc c'est parfait. Oui. Bah, disons qu'il y a quelques temps, on voyait la tête des éleveurs. Entre parfait et parfait, enfin, après, qu'est-ce qui est parfait ? Et entre les consommateurs, ils n'ont pas du tout les mêmes attentes non plus. Donc, tout ça, c'est très complexe et il faut y aller prudemment et à petits pas. Voilà. Thierry Marchal. Je voulais simplement rappeler qu'aujourd'hui, depuis maintenant un peu plus d'un an, il y a un travail collectif qui est engagé entre les groupements de producteurs, les chambres d'agriculture de Bretagne, le syndicalisme, donc au sein du CRP, donc un projet qu'on a appelé BP 2022. Donc c'est un projet donc qui est pour imaginer les bâtiments du futur et les tester. Donc il y a 10 éleveurs en Bretagne qui se sont engagés à construire des bâtiments en rupture, donc avec un suivi donc qui va être fait par les chambres d'agriculture de Bretagne. Donc ces bâtiments en rupture là vont répondre aux demandes de bien-être animal, mais par contre, aujourd'hui, nous n'avons pas assez de recul. Donc, ces bâtiments-là serviront à mesurer donc les surcoûts de bâtiments, les surcoûts de production à l'intérieur, les surcoûts de consommation d'aliments et autres, l'impact environnemental, l'impact sanitaire, parce que dès qu'on ouvre les bâtiments, on sait qu'il y a d'autres critères qui sont beaucoup plus durs à maîtriser. Hein. Un bâtiment fermé, on maîtrise l'impact que les animaux ont sur l'environnement parce que c'est confiné. Dès qu'on ouvre, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. Et derrière, une fois que toutes ces mesures-là seront faites et qu'on aura compilé, on saura exactement le surcoût de production,
les contraintes aussi en termes de au quotidien d'utilisation de ces bâtiments, parce que un des enjeux aujourd'hui de la production porcine, c'est quand même la main d'œuvre, de trouver du personnel. On sait qu'on est en tension sur le marché du travail dans tous les secteurs et l'agriculture n'échappe pas. Et les conditions de travail sont un des enjeux pour l'avenir. Et donc il faut que ces bâtiments-là répondent aux attentes consommateurs, mais ne dégradent pas les conditions de travail, ne dégradent pas la santé des animaux non plus, parce que ça doit se mesurer. Aujourd'hui, les bâtiments tels qu'on les connaît dans nos élevages, ils ont été faits pour qu'ils soient optimum d'un point de vue économique. Et optimum d'un point de vue économique, ça veut dire qu'ils sont que tout ce qui est alimentation, c'est hyper maîtrisé. Donc alimentation, c'est les bilans carbone. On est à l'optimum avec les bilans qu'on connaît aujourd'hui. On sait qu'on les dégradera, nos bilans carbone, en faisant une réponse au bien-être animal. C'est deux réponses qu'on peut pas apporter en même temps avec les mêmes bâtiments. La réponse après de l'impact environnemental va être aussi plus compliquée avec des bâtiments ouverts ou alternatifs. Et derrière, donc tout ça, ben, le consommateur effectivement aura des choix. Et une fois que cette étude-là sera finie, on pourra donner aussi précisément les coûts. Mais c'est vrai qu'on est dans un pas de temps qu'on a du mal à maîtriser, parce que les attentes sont très rapides, très changeantes. Et nous, quand il y a une demande, on doit monter un projet, construire, mesurer, tester, valider et après apporter la réponse. Et j'espère que l'attente, elle n'aura pas changé entre-temps. Yannick, tu souhaitais dire un mot? Au travers de ce qui a été dit, je pense qu'il y a quand même deux niveaux. Il y a celui qui avait été évoqué tout à l'heure, c'est un peu l'inquiétude du consommateur sur un certain nombre de points. Et donc la question, c'est comment rassurer ce consommateur. Et il y a des investissements qui sont faits, parfois qui coûtent pas très cher, qui sont là aussi pour des démarches plutôt de réassurance. Comment rassurer et par rapport au matériel qu'on peut exposer ici, ça peut être par exemple l'enrichissement du milieu de vie du cochon avec un certain nombre d'objets manipulables qui permettent finalement d'apporter plus, d'améliorer le répertoire comportemental du porc. Ça peut être des systèmes autour d'investissements, par exemple pour des systèmes d'éclairage, etc. Donc qui permettent finalement des démarches de réassurance. Après, il y a des démarches... En termes d'ambiance vraiment... et pour améliorer le comportement, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, ils rassurent. Puisqu'on, au travers des propos de Séverine Fontaine, c'était aussi des questions d'anxiété un peu du consommateur par rapport à ce qu'il mange. Je ne sais pas comment ça va se traduire sur une étiquette, parce que tu vois, si on met sur l'étiquette d'un produit avec du porc, avec objet manipulable, je ne sais pas si c'est quelque chose de très clair. C'est peut-être pas l'objectif d'aller jusque-là, mais au moins c'est de rassurer au travers de démarches de réassurance. Et puis après, il y a des vraies démarches de segmentation, de bâtiments de rupture, comme vient de le dire Thierry Marchal, mais ça c'est encore autre chose. Et ces démarches de réassurance, bien entendu, de segmentation, de bâtiments de rupture, on voit mal les développer indépendamment de marchés particuliers. Et je pense qu'il faut quand même bien séparer un peu ces deux niveaux. C'est là où il y a pas obligatoirement une convergence de points de vue sur le long terme, mais peut-être pas sur le moyen, voire le court terme, quoi. En tout cas, sur la filière porcine, moi j'ai un regret, c'est que je trouve que la segmentation, elle se fait pas vraiment sur le mode d'élevage. En gros, quand vous allez dans un supermarché, vous voyez, quand je regarde le rayon jambon, en fait, je vois deux types de produits, des produits issus d'élevage standard, et la segmentation se fait effectivement sur des critères tels que sans OGM, sans antibiotiques, sans sel, sans nitrite, etc. Et vous avez du porc standard, et vous avez du porc bio qui est bio, très cher. Voilà. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que l'on trouve du porc standard amélioré, du porc élevé sur paille avec courette, du porc plein air, du porc plein air élevé en liberté, enfin voilà, qui est un choix qui soit offert aux consommateurs avec une étiquette bien-être animal qui apporte une information sur comment ces différents produits segmentés apportent une réponse au bien-être animal. Voilà, un plus large choix chez Carrefour, Séverine. Ça, faut trouver de la place. Non, mais c'est vrai. Même les marques distributeurs, par exemple. On le fait. Enfin, par exemple, nous, on a une segmentation. On a du porc fait de France qui est élevé en plein air. On a du porc bio. Et effectivement, ensuite, on a une masse là. Enfin, on a aussi du porc label rouge. Et on développe de plus en plus de jambon, et parce qu'on est aussi attentif à l'équilibre matière, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça va être un vrai enjeu sur le porc de pouvoir faire sortir à la fois autant de jambon que de côtelettes et les faire reconnaître par le consommateur, parce que là, on le voit sur le bio, on s'attire très fort au niveau du jambon et ça sort pas très bien au niveau du reste du porc. Donc on a cet enjeu qui est, et on sait qu'on devra travailler ces dossiers-là
en équilibre matière avec les coopératives, enfin avec les abattoirs, et j'ai bien entendu le sujet de contractualisation, on sait que c'est un sujet. Donc l'étiquette devra aider. Après, moi, le sujet, je pense que les cages, c'est quand même un sujet. C'est-à-dire que là, on a plusieurs temps. On a respect de la réglementation à venir, arrêt de la castration à vif. Non négociable, j'ai envie de dire. Donc il y a eu un report qui est plus ou moins acté, mais voilà, on a déjà ce temps qui n'est pas neutre parce que ça va demander des changements. De temps là, c'est dans les un an. Voilà. À peu près. On attend un peu les décisions officielles, mais et ensuite on sait qu'il y a des réglementations européennes qui poussent très fort sur l'arrêt des cages et donc l'arrêt de la contention. Donc pour moi, c'est le deuxième temps à venir. Qui est visible et qu'on ne peut pas ignorer. Et ensuite, il y a, c'est vrai que sur le port, entre la truie et l'engraissement, on a de multiples sujets et il faudra bien les traiter dans le temps. Juste, à la fois Yannick et puis peut-être également Mickaël Benoît, dans la case maternité par exemple, qu'on présente ici, il y a donc plus de place pour la truie, il y a une petite, un espace spécifique, la niche pour les porcelets, mais il y a toujours la contention. Donc, c'est l'arrêt de la contention totale ou en partie? Ou est-ce qu'il y a des évolutions à venir derrière? Dans des systèmes comme celui-ci, donc avec des truies qu'on appelle libres en maternité, classiquement, on va. Il y a un enjeu, qui est aussi un enjeu de bien-être, en tout cas pour le porcelet, c'est celui de se faire écraser par sa mère. Un porcelet, ça fait quelques kilos. La truie, ça en peut faire 250-300. On peut bien comprendre que lorsque la truie de 300 kilos va se coucher sur un porcelet qui en fait deux, en général, c'est la truie qui gagne. Donc, on doit mettre en place des systèmes de logement et de travailler aussi sur la conduite d'élevage pour faire en sorte de réduire ce risque. Et la première étape, c'est déjà de réduire le risque au cours des tout premiers jours qui suivent la mise bas, en acceptant finalement que la truie soit en contention pendant 3, 4 jours, 5 jours. Tout ça, ça reste à déterminer pour faire en sorte que le risque d'écrasement soit limité lorsque le porcelet est faible. Et donc de libérer la truie, donc lui permettre plus d'espace pendant le mois de lactation qui va rester, où la truie là va être libre de mouvement et on aura des porcelets qui, eux, seront un peu plus vigoureux, donc auront la possibilité de se réfugier, par exemple, dans le nid à porcelets. Les cases sont aménagées aussi de sorte qu'il y ait des systèmes d'anti-écrasement. Donc on va bien jouer à la fois sur le volet bâtiment, mais équipement, mais aussi sur le volet conduite d'élevage. C'est un compromis à trouver, et donc la conduite d'élevage et une contention partielle fait partie du compromis qu'il faut que l'on accepte. Mickaël Benoît, Coperle. Oui, donc je réagis un petit peu par rapport à ce que disait Ghislain tout à l'heure sur partie dans les rayons, c'est-à-dire enfin grosso modo on a du standard, ensuite on va basculer directement au bio. Au bio. Il n'y a pas vraiment d'intermédiaire, donc aussi bien en termes de proposition, enfin même d'un point de vue économique pour le consommateur, parce qu'on passe vraiment du simple au double voire triple parfois, notamment lié à l'équilibre carcasse. Mais après, en élevage de porc, la particularité par rapport à d'autres productions comme la volaille, le porc c'est pas du poulet. C'est un terme qu'on a souvent utilisé ces derniers temps. Et donc il y a quand même plusieurs stades physiologiques. Et pour les éleveurs, ils ont besoin de savoir où ils vont pour les années à venir, pour chaque stade physiologique. Moi, demain, si j'ai un engraissement à rénover, je veux savoir qu'est-ce que je dois faire. Par contre, il faut aussi que je me projette sur les autres stades physiologiques. Donc, tous les travaux qui sont menés au sein du Lit West RL, c'est un petit peu ça qui est fait. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un seul critère. L'idée, c'est de prendre plusieurs critères en lien avec le bien-être animal et à partir de là, on fasse mettre des seuils. Et ça, je pense que ça peut donner de la visibilité vraiment aux éleveurs pour du court, du moyen, mais aussi surtout du long terme, quoi. Très bien, merci Mickaël. On va donc donner la parole au public. Si vous avez des questions à poser à nos différents intervenants, eh bien, on est là, on a un micro à votre disposition pour que vous puissiez apporter soit des commentaires, soit voilà, des réactions, ou peut-être même des questions que vous souhaitez leur poser par rapport à ce qui a été dit. Alors, est-ce qui veut prendre la parole, dire quelque chose, apporter un point de vue? Non, ça ne réagit pas. Ça paraît très clair, a priori. Alors, juste peut-être en attendant qu'une question arrive. Alors, oui. Rappeler quand même que le porc français, c'est déjà une segmentation, parce que le porc français, c'est le haut de gamme au niveau mondial. Donc, c'est déjà ça. Et rappeler que le standard, il continue à monter. Au sein de l'interprofession, le porc français, le cahier des charges, il y a des nouveaux items qui rentrent dedans.
qui sera en place pour le 1er mai de l'année prochaine. Donc le travail sur le port standard, il n'est pas arrêté, il évolue. Et se le dire quand même entre nous que le port standard est d'excellente qualité et répond à toutes les réglementations. Didier, tu veux dire un mot peut-être est-ce que, par rapport à ce qui a été dit ? Ah oui, c'est complet, mais on peut toujours compléter avec d'autres. Bonjour, Didier Ducas. Donc Didier Ducas, tu es éleveur et en même temps, tu présides l'espace pour demain. Voilà. Qui organise ces débats et que je trouve très intéressant. J'aime entendre... Tends-toi vers la caméra. Voilà. J'aime bien entendre les ONG sur le bien-être. Et je me pose toujours quelques questions. Moi, j'ai des animaux à la maison. J'ai des cochons. J'ai des chiens. Mes chiens sont en liberté en permanence. Et je me pose la question... Faut que tu te tournes vers la caméra, en fait. Voilà, super. Et je me pose toujours la question, comment j'assimile un animal domestique qui est en ville? Comment j'estime son bien-être, enfermé toute la journée en attendant que ses maîtres reviennent? Comment j'estime que mes cochons sont des animaux de rente, soient dans le bien-être? Tout ça, c'est des questions que j'arrive pas à me poser. Et je me demande comment vous les estimez, un animal domestique, à quel moment vous dites qu'il est dans le bien-être, comment vous faites pour apprécier ces choses-là? Il y a des outils d'évaluation du bien-être animal, tels que le programme Welfare Quality. Il y a des tas de programmes de recherche en France, en Europe, pour identifier des indicateurs de bien-être animal, pour faire parler les animaux eux-mêmes. Alors ça peut être des indicateurs, des comportements anormaux qui peuvent être exprimés par l'animal, des indicateurs tels que le nombre de griffures que peut avoir le porc, des indicateurs chez les animaux, voir comment l'animal se comporte vis-à-vis de l'éleveur, la distance entre l'éleveur et l'animal. Enfin, il y a plein d'indicateurs qui permettent d'objectiver tout ça. Parce que je suis d'accord avec vous, c'est que parfois, les défenseurs des animaux peuvent avoir une attitude très anthropomorphique qui peut être aussi préjudiciable au bien-être animal. Parce que je cite toujours cet exemple à Wildfarm, on a souvent des appels de gens qui nous signalent des animaux qui sont dehors quand il fait froid. Alors, quand c'est un cheval arabe, il y a peut-être lieu de s'inquiéter. Quand c'est un cheval de trait qui est dehors dans 2 cm de neige, c'est plus le maltraiter que de faire pression sur son propriétaire pour le rentrer, de le mettre à l'étable que de le laisser dehors. Donc, on est d'accord avec ça. Il faut objectiver tout ça et avoir une approche scientifique. Et Wildfarm travaille avec une approche scientifique. D'accord. Je pense que c'était important de le dire parce que tous les éléments, tous les critères que vous venez de donner, c'est des éléments chez nous, les éleveurs, qui sont vachement importants économiquement parce que des animaux qui se portent bien ont une croissance quand même bien meilleure que les autres. Et c'est important chez nous aussi. C'est pour ça que depuis très très longtemps, on a pris dans ce phénomène-là, on a pris ça en compte chez les éleveurs. Un des soucis qu'il y a eu pendant longtemps dans le monde de l'élevage, c'est que la prise en compte du bien-être animal se limitait à des critères d'ambiance dans les bâtiments ou des critères sanitaires et à des critères de performance. Mon cochon, il grossit bien, donc il y a un bon niveau de bien-être. Et il a été fait un peu l'impasse pendant un certain temps sur les besoins d'expression comportementaux, par exemple le fait de pouvoir avoir des matériaux manipulables pour que l'animal puisse satisfaire son instinct d'animal fuisseur. Mmh. Voilà, et c'est ça qui, alors c'est en train de changer, grâce aux travaux que vous voyez Yannick et d'autres aux gestions d'agriculture, etc. Et je voulais à ce sujet souligner un point, c'est que la Commission européenne a annoncé son intention de proposer pour 2023 la fin des cages, enfin faire une proposition législative pour interdire les cages en Europe. Je pense que pendant longtemps, très longtemps en France, les éleveurs étaient dans une position d'opposition à toute évolution du monde du bien-être animal. Je parle de ça il y a 15 ans, les choses ont évolué, voire 20 ans. Mmh. Bon, aujourd'hui, je pense que si les éleveurs veulent être acteurs de l'évolution de la réglementation, il faut effectivement qu'ils travaillent bien en amont, en investissant dans des bâtiments pilotes pour effectivement tester ce qui marche, ce qui marche pas, pour ajuster et pour être force de proposition pour des évolutions réglementaires pour ce que sera le standard de demain. Donc je pense que tout ce que j'ai entendu aujourd'hui est vraiment satisfaisant et il faut continuer à travailler dans ce sens. Rappelez quand même qu'il
a des fermes expérimentales dans les chambres d'agriculture depuis très longtemps. Crécom. Et que Crécom, mais il y en avait d'autres avant aussi. Et que même avant les années 2000, c'était une préoccupation quand même. Yannick pourrait témoigner. Les premières expériences sur les maternités cases en liberté qui ont été faites à la station expérimentale de Guernevé dans le Finistère datent il y a 20 ans. Les truies gestantes en liberté, c'est encore plus ancien que ça. La préoccupation, dire que ça date d'il y a 20 ans, c'est mal connaître le monde agricole. Non, le monde agricole, il a quelque chose qui lui est propre, c'est le bon sens paysan. Et le bon sens paysan fait que notre métier, c'est de surveiller nos animaux. Notre métier, c'est de savoir quand est-ce qu'ils vont bien et quand est-ce qu'on a besoin d'intervenir. Et on a toujours, toujours travaillé pour faire évoluer les affaires et que ça aille dans un sens favorable. Et le sens favorable était quand même les conditions de logement, la nourriture et les soins qu'on leur apporte. Alors, oui, réaction également de Didier. Le résultat de cette conférence, je trouve qu'il y a deux freins. Deux freins pour augmenter le bien-être. Un premier frein, c'est peut-être les importations de produits qui ne respectent pas nos règles. Le deuxième frein, c'est le consommateur. Si le consommateur veut payer, j'ai entendu aucun frein chez les agriculteurs. Aucun blocage à leur niveau. Pour aller beaucoup plus loin. Et tous les éleveurs sont conscients de ça. Mais c'est le prix payé aux producteurs qui est important. Et les importations aujourd'hui, quand la grande distribution impose aux éleveurs certaines normes, et je pense aux œufs qui aujourd'hui, dans les produits transformés, importent des œufs de cage qui viennent de d'autres pays d'Europe, c'est un vrai sujet. Alors, on ne va pas faire le débat sur les œufs, on l'a fait il y a deux jours, hein, mais en tout cas, on a bien entendu votre discours, Didier. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public, ou des commentaires, ou des réactions, où on va conclure? Voilà, eh bien, une question. Ah oui, mais la personne était beaucoup trop dans un angle que je n'arrivais pas à voir. Voilà, bonjour, quel est votre prénom? Bonjour, Nicolas Joanneau, je suis éleveur de porc en Côte d'Armor. Et j'ai un projet de méthanisation qui est attaqué par un recours. Oui. J'ai 25 ans, j'ai repris des parts dans la ferme de mes parents, mon père est toujours là, il a 65 ans. Ma mère est prof d'histoire, elle travaille à mi-temps à l'élevage, je n'ai pas de salarié, je n'en trouve pas. On est en train de me parler aujourd'hui de bien-être animal. Moi je vous dis, d'ici la fin de l'année, si le cours continue ainsi et les normes continuent de nous arriver, moi j'ai qu'une envie, c'est de vendre mes truies et de partir faire autre chose. Il y a mon petit frère qui est là, quand il voit que je suis obligé de m'entêter pour reprendre la ferme, j'ai d'autres préoccupations que de faire ma mise aux normes bien-être en maternité, puisque j'ai une maternité qui a été renouvelée en 2018, j'ai un pot sevrage qui a besoin d'être rénové, j'ai une gestante qui a besoin d'être rénovée. Ça, c'est des emprunts que moi, je choisis. Si on m'impose un emprunt pour moi, pour ma ferme, c'est 600 000 euros une maternité, qu'un emprunt, je n'ai pas choisi. Je préfère... mon petit frère, il a travaillé, il a été responsable d'unité de médicalisation, il a 3 000 euros par mois cet été. Pourquoi moi, j'irais investir, m'endetter pour ne rien gagner, alors que je peux faire beaucoup plus facilement d'autres choses? Là, tout ce qu'on fait, c'est démoraliser les éleveurs. On parle aujourd'hui, le président de région, il parle aujourd'hui d'installer 1000 jeunes par an. Mais il faudrait déjà garder ceux qui s'installent. Parce que là, ils n'ont plus envie. Moi, j'ai plus envie. Il y en a marre. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était mon coup de gueule. Là, j'ai dans mes mains des articles que j'ai pas volés. Je les ai pris sur Internet. On nous attaque encore sur les algues vertes. Il n'y a pas si longtemps que ça, à la télé. On dit que c'est les éleveurs, une fois de plus. Alors que les éleveurs ont mis des bandes enherbées depuis des années. Il y a un nombre d'unités d'azote à l'hectare. Ici, j'ai un article de France 3, un autre de Trégor, qui parle de la station d'épuration de Guingamp, qui rejette ses eaux usées 90 jours par an dans le Trieux. Pourquoi? Parce que la station récolte aussi les eaux pluviales. Donc à chaque fois qu'il pleut, tout va dans le Trieux. Donc là, on a des stations d'épuration qui envoient les effluents des humains directement dans la mer. Et on nous dit que c'est nous, les éleveurs, qui, en respectant les normes d'unité d'azote à l'hectare, polluons les eaux.
Moi, j'ai travaillé aux États-Unis avant. Mon patron, il avait 9000 hectares, 8500 en OGM, 500 en bio. Le maïs bio, il était là, le maïs OGM était là, le maïs OGM pollinisait le maïs bio. Tout ça, ça arrive chez nous. Il avait 600 bêtes à viande, avec des nourris aux hormones. Ça, ça arrive chez nous. Combien de temps on va accepter tout ça avant de réagir, plutôt que de parler de bien-être et de nouvelles normes qu'on veut nous imposer? Merci en tout cas de votre témoignage. Il était très fort et on a bien compris que ça vous venait des tripes. Et on a envie de, en tout cas de vous dire qu'ici, on peut vous accompagner et on peut répondre à quelques-unes déjà de vos inquiétudes et faire en sorte que justement, même si les normes bien-être, elles existent encore une fois depuis plus de 20 ans, on en parle déjà depuis plus de 20 ans, ce sont des évolutions à prendre en ligne de compte et il faut prendre également en compte toutes les problématiques auxquelles vous êtes confrontés de façon à ce que justement, demain, ça reste un métier attractif, le métier d'éleveur. Et on le sait aujourd'hui à travers cet espace pour demain, on essaye de montrer justement la qualité du travail des professionnels. Et c'est aussi pour cette raison qu'on organise cette table ronde avec l'ensemble de la profession, des professionnels, y compris la distribution et autres, pour montrer qu'ensemble, on peut avancer et faire en sorte de répondre à l'essentiel des problématiques de la société et également du monde de l'élevage. Voilà, merci encore en tout cas d'avoir apporté votre témoignage. Il est très important également de l'entendre parce que ça fait partie du débat, tout simplement. Voilà, on va conclure. Juste un mot. Allez, on conclut juste sur un mot sur cette thématique qu'on a abordée, qui était aujourd'hui sur cette question qui était posée aux uns et aux autres. En production porcine, le bien-être animal est-il un outil de segmentation du marché? On va répondre à cette réponse, à cette question. Quelle réponse de votre côté, de manière très courte, Michael Benoît, donc de la Coperle? Je vais dire oui, évidemment. Oui. Donc je ne vais pas reprendre tous les éléments que j'ai pu exposer. Mais voilà, c'est évident, c'est une attente. On doit y répondre, mais pas à n'importe quel prix, évidemment. Et ça ne peut pas se faire non plus de manière individuelle. On a besoin de visibilité. Et je l'ai redit tout à l'heure, l'approche One Welfare, c'est bien-être des animaux, bien-être de l'éleveur. Les deux sont interdépendants et dans un environnement qui convient. Voilà. Très bien. Thierry Marchal, rapidement, de la culture. Très rapidement, oui, sous condition que le consentement à payer existe et sur du long terme. Yannick? Je dirais oui aussi, mais on voit bien le besoin de réassurance, de rassurer tout le monde, et en premier lieu les producteurs. Et je pense que le témoignage qu'on a eu là le montre bien. Exactement. Séverine Fontaine, donc de Carrefour. Oui, il existe déjà. Et effectivement, étant donné que c'est une demande forte, ça va se développer avec d'autres indicateurs clés pour le consommateur, mais en prenant les précautions. Et je pense qu'il faut ce travail qu'on fait tous ensemble est très important pour pas se tromper. On entend bien on peut pas envoyer n'importe qui. Enfin, on peut pas envoyer dans le mur, quoi. Donc, prenons le temps de bien poser nos décisions. Stéphane Jamais, on va conclure avec l'association de consommateurs, mais Stéphane Jamais, donc de la Coperle. Non. Excusez-moi, du Goessant. On m'a dit que vous étiez voisins, qu'il y avait une très bonne entente, voilà. vous l'avez éteint? Non, voilà, c'est bon. C'est bon. Oui, bien entendu, que c'est segmentant et ce doit être un segment de marché. À nouveau, je le redis, pour garder des consommateurs, parce que ça, c'est important. Ensuite, c'est un segment de marché, c'est un outil différenciant, et avec tout ce qui s'est dit avant, c'est-à-dire le fait que le consommateur soit prêt à payer dans le long terme aussi, et qu'il y ait vraiment une volonté globale de la filière. Et un accompagnement, comme on l'a évoqué, également de la part de ceux qui souhaitent ces normes également. Hein, donc, également ça. L'État, et pourquoi pas l'Europe ou voilà. Autre. On conclut avec vous, Ghislain, puisque vous étiez un peu au cœur du débat, le consommateur. Alors, oui et non. Enfin, comme je l'ai déjà dit, pour moi, ce qui doit être segmentant, c'est le mode d'élevage. Et le bien-être animal doit être un outil de différenciation qui vient en plus, mais je ne pense pas que ce soit sur le bien-être animal qu'on doit segmenter, faire penser en termes de segmentation. Voilà.
Très bien. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à Yannick Ramonet de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Merci à Michael Benoît, éleveur et administrateur Coperl. Merci également à Thierry Marchal, éleveur, président du groupe de travail porc des Chambres d'agriculture. Merci à Ghislain Zuccolo, donc directeur général de Wellfarm. À Séverine Fontaine, directrice qualité de Carrefour. À Stéphane Jamet, directeur BU Port Le Gouessant. Voilà, j'ai fait le tour, je pense, de l'ensemble des intervenants. Merci à vous tous. À bientôt sur l'Espace pour Demain pour parler à nouveau des grands sujets d'actualité et de préoccupation du monde de l'élevage. Merci.